הנה. כן, חזרנו. עם איציק. כן, עם אלי. איציק מבית ספר דיאלונג בפריז. עכשיו קריאת הטקסט. ולא קריאת התורה. איציק, אלא מוז'ה פעלו לקראוקי, אה? אוקיי, קדימה. תפרצי. אני בא. אייל מזמין חדר במלון בתל אביב. הוא מתקשר למלון ומדבר עם הפקיד בקבלה, ומבקש ממנו להזמין חדר שפונה לים. הפקיד עונה בטלפון ואומר לו שהמלון בתפוסה מלאה. זאת אומרת שכל החדרים במלון תפוסים. אוי, כמה חבל, אומר אייל, ומנסה להתקשר למלון אחר בתל אביב. הפקיד שם עונה ואומר לו שיש חדרים פנויים במלון. הוא שמח ומזמין מיד חדר שפונה לים. אייל מגיע לקבלה במלון ורוצה לקבל את המפתחות של החדר. הוא מחכה ומחכה, והוא לא יכול לדבר עם הפקיד, כי הפקיד עסוק עם אורח אחר. סוף סוף, הפקיד פנוי, והוא יכול לעזור לאייל. שלום, אפשר בבקשה לקבל את המפתחות של החדר שלי? בוודאי. על שם מי ההזמנה? על שם אייל כהן. הנה המפתחות. אפשר לעשן בחדר? לא. אי אפשר לעשן בחדר. בסדר. תודה רבה. בתל אביב אייל אכל במסעדות טובות, פגש את כל החברים שלו שם, ואפילו הלך ללמוד עברית. תודה רבה על הקריאה המצוינת הזאת. תביא, שזה לי. איציק, on va maintenant analyser le texte pour rentrer un petit peu dans les détails et vous rappeler quelques règles de syntaxe et de grammaire très importantes. Mais juste avant, Iti, je voudrais parler un petit peu des codes couleurs parce que c'est la nouveauté d'Accours d'Hébreu et c'est vraiment la méthode, la seule méthode qui met des codes couleurs. En fait, on fait ce que vous devriez faire ou ce qui doit se passer dans votre tête. Bon, bien sûr, le bleu foncé, gras, c'est les mots de vocabulaire qui sont dans la liste. Ça, c'est pratique pour savoir quand vous lisez votre texte. On a des codes couleurs pour les verbes, surtout. Vous voyez du rouge pour l'azmin, du violet pour l'omar, ou la hanot, ou l'ifnot, l'irtsot, orange pour les hakot, les kabel, les daber. Vous voyez, les hitkacher, c'est en vert. Vous voyez tout de suite, d'emblée, les groupes de verbes ne sont pas du même groupe. Ouais. Voilà. C'est les groupes de verbes, en fait. Exactement. Qu'on nommera bientôt, on va leur donner des noms. Exactement, on va les apprendre aussi au passé. Voilà. Et donc, ça, c'est très important. Autre chose, les prépositions sont en gris. Pourquoi ? C'est pour vous permettre de voir que, en hébreu, c'est toujours, il n'y a pas de lettre orpheline, comme dit Itzik. Les prépositions sont toujours collées toujours au mot qui suit. D'accord. Et comme c'est collé au mot qui suit, malheureusement, vous ne reconnaissez plus forcément le mot. Donc, on vous a montré que les prépositions sont des préfixes qui sont accolés au mot qui suit. Donc voilà, pour les codes couleurs, ça va être comme ça développé sur toutes les leçons. Ça permet donc une facilitation à la lecture. Itzik. Donc, Eyal mazmin cheder bemalon b'Tel Aviv. Là, on sait que mazmin, c'est réservé. Mm-hmm. Et... Alors, c'est indéfini. Bemalon b'Tel Aviv. Exactement. D'accord. C'est ce que j'allais dire. Donc, c'est dans un hôtel à Tel Aviv. Tous les textes sont vocalisés, ce qui vous permet de voir si c'est b ou pas, les ou la. Bien sûr, dans un texte normal en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Non. C'est à vous de comprendre que quand d'emblée on parle d'un lieu, etc., c'est indéfini. Voilà, et là, normalement, plus tard, vous allez pouvoir lire cette phrase sans les voyelles. Voilà. Et vous allez lire automatiquement Eyal mazmin cheder bemalon, parce que vous savez que c'est indéfini, donc forcément, c'est B et pas B. Bah oui, on ne précise pas d'ailleurs le nom de l'hôtel. Enfin, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de voyelles en hébreu. Voilà. Eyal mazmin cheder bemalon. Et bien sûr, devant un nom propre, c'est toujours B. Bien sûr. Tel Aviv, B Israël, jamais B. Un nom propre ne supporte pas l'article défini. Voilà, il n'y a pas d'article défini. Humit kasher la malon, et là c'est défini. Dont on a parlé. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on dit Humit kasher la malon, ve medaber im ha pakid bakabala. Im. Les daber im toujours. Et là on ne fait pas l'état construit. En hébreu moderne on dit im ha pakid bakabala. Voilà.
ומבקש ממנו להזמין חדר שפונה לים. לא היה לבקש, שפה לשאול. Parce qu'il demande quoi? Il demande quelque chose. C'est une demande. Il demande de réserver. Voilà, il n'y a pas de question, encore une fois. On me vakesh mimeno, le vakesh c'est toujours mais. L'azmin, là on dit que c'est réservé, on sait que c'est réservé. L'azmin cheder, sheponé layam. Je vous avais expliqué que l'ifnot, ça veut dire tourner, s'adresser et donner sur. Et là c'est cheder, sheponé layam, qui donne sur la mer, on dit. Exactement. Et vers la mer. On saura, à la troisième leçon de notre parcours, on saura comment on dit... Il l'appelle. Oui, au passé. Ou alors, il s'adresse à lui. On ne peut pas dire ça pour l'instant. Non. Voilà, on va le savoir bientôt. Et puis, ne lisez pas mimenu, mais mimeno. Oui, on est bon moderne, on dit mimeno. La vraie orthographe, c'est mimenu. Oui, mais personne ne parle comme ça. Donc, vous pouvez, et je vous conseille de dire mimeno. Mimeno. OK. Hapakid, on est bas à téléphone. Ve omer lo, che, hamalon, bitfusa melea. T'as bien prononcé bi, tfusa melea. Oui. Bah, des fois, on le dit. C'est-à-dire, on dit « Anigar Birushalayim ». C'est rare d'entendre des trucs. Après, c'est la vraie manière. C'est la vraie manière de, de prononcer oui. Si vous dites « bi » ou « b », c'est pas grave. J'ai, mes élèves, des fois, ça les torture. Écoutez, c'est vraiment, vraiment pas important. Si vous dites « Anigar Birushalayim » ou « Anigar Birushalayim », ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a une règle, en fait. Il y a une règle. Il y a une règle. Mais voilà. Vous n'êtes pas obligé de la respecter. « Hapakid one ba téléphone ».« Hapakid one ba téléphone ». Répondre au téléphone, ça se dit la note bas téléphone. D'accord. Mais Omer lo che hamalon betfusamler. Donc, l'omar au nebou, c'est toujours les. Bien sûr. Il ne faut pas oublier. Omer lo ma, che, vous regardez, che, c'est que, et c'est attaché au mot. Che hamalon betfusamler, maze betfusamler, zotomeret. C'est-à-dire. Che kol hadarim bamalon tfusim. Ils sont pris. Bah oui. On n'est pas à soukim. Omer eyal. ומנסה להתקשר למלון אחר בתל אביב. Alors, où menacer, c'est écrit? On dit ומנסה. On est bon moderne, on dit pas où, on dit ve. Il y a une règle. Il y a une règle, mais vous, on est bon moderne, vous êtes obligé de dire ve. Ve. À l'oral, en tout cas. À l'oral. להתקשר למלון אחר. בתל אביב. On se rappelle de אחר. נכון. הפקיד שם עונה. Alors, attends. אחר, donc c'est comme un adjectif. C'est-à-dire que si on, je veux dire, l'autre hôtel, המלון האחר. Oui, mais là, c'est un autre hôtel. Oui, mais si, on, si c'est défini, המלון האחר. כן. Je suis obligé de mettre ha-ha. Bien sûr. C'est un adjectif. C'est logique. Bête la vie. Hapakid sham one ve omer lo. Voilà, encore une fois, omer, c'est lo. On aurait pu dire hapakid sham one lo. Oui, on peut. Il lui répond, il lui dit. Voilà. Bon. Et je fais ça exprès. Oui, bien sûr, bien sûr. One ve omer lo she yesh. Regardez, c'est attaché. She yesh hadarim pnouim. Bamalon. Magnifique. Ou samer. Ve mazmin miyad. Cheder. She pone la yam. Ou samer, il est content. Oui. Sa mère smecha. Il est content, mais ça veut dire aussi qu'il est heureux. Heureux. Sa mère smecha, smechim, smecha. D'accord. On se rappelle. Le verbe lesmoar. On m'a mis miyad, on se rappelle de miyad. Immédiatement. De suite. Tout de suite. Cheder, sheponeh, layam, ton... Une chambre qui donne sur la mer. Ton expression. Eyal magi à la Kabbalah, ba malon, verotze, le kabel, et ta maftechot, chez la cheder. Regarde, Elisa, c'est très important. Je fais ça exprès. Eyal magia la Kabbalah. La gia, c'est un verbe de mouvement, c'est toujours le. Ba malon, c'est défini, donc il faut absolument dire ba et pas b. Verotze, a. Le kabel, avoir. Vous avez vu? Je vous avais dit que le kabel, ça peut être recevoir, accepter, et il remplace le verbe avoir qui n'existait pas en hébreu. À l'infinitif. À l'infinitif. Donc là, quand nous, en hébreu, on n'a pas le verbe avoir, et il souhaite, vous vous dites en français, il souhaite, nous on dit en hébreu, il veut, parce qu'il n'y a pas le verbe souhaiter en hébreu, et il veut avoir les clés de la chambre. Verotze le kabel et, bah oui, parce que le kabel c'est toujours et, c'est un complément d'objet direct. Et ma, et ha, et il est toujours marié avec ha, n'oubliez pas, et maftechot shel hacheder. Il dit que tu as bien prononcé magia et pas megia, comme tu as l'habitude, comme les Israéliens. Et yal magia la kabbalah bamalon. S'il devait arriver à l'hôtel, on aurait dit yal. Magia la Kabbalah Bamalon. Oui, mais si il arrive à l'hôtel, ou Magia Lamalon. Lamalon. Verotze le Kabel. Le Kabel, c'est comme les Daber, mais Daber, mais Kabel. C'est un verbe orange. Et Amaftechot, Shel Hacheder. Est-ce qu'on aurait pu dire ici une Spirout, Et Maftechot Hacheder? Non, ça se dit pas en hébreu moderne, c'est ridicule. D'accord. Ou Mechake, ve Mechake, mais ou lo yachol le Daber im Apakid, Lama. Ki Apakid Asuk im Oreach Acher. D'accord. Sauf, sauf, enfin. Et pas basof. Basof, c'est à la fin. Alors, on reviendra sur ces deux expressions. On a déjà vu sauf, sauf. Enfin. Voilà. Ouf. Très bien. Sauf, sauf. Sauf, sauf, hapakid panoui. Ouais. Et où yachol, l'azor, le eyal. L'azor, le. Oui, c'est très important. Arrêtez tout. L'azor, en hébreu, c'est toujours suivi de le.
toujours, mes élèves, ils ont toujours de mal avec ça. Et ils mettent « et ». On est tenté. Ouais. On est tenté, tu sais, de dire « L'azor en hébreu ». Non. C'est « anioser ». אני עוזר לאלי, אלי עוזר לי, אנחנו עוזרים לכם, לעזור, זה תוז'ור לא, ג'מי, ג'מי, את, זה נפה אין קומפלימנט אובג'ה דירקטור נברו, נובליה פסה, אסייד רפטי פלוס אופה, אני רוצה לעזור לך, אתה יכול לעזור לי, הוא עוזר לי, אני רוצה לעזור לכם, רפטי זה פלוס אופה, אבל זה לבר, כי אחרי זה לבר לביטוד. עכשיו עדו שיח, מדון לו דיאלוג. שלום. אפשר בבקשה לקבל את המפתחות של החדר שלי. Ça c'est vraiment l'équivalent de bonjour, puis-je avoir les clés de ma chambre. C'est vraiment exactement la même chose. אפשר, il est possible. אוקיי? אפשר בבקשה לקבל את המפתחות של החדר שלי. Ça on a déjà vu. Alors, לקבל את המפתחות של, parce que chez, quand il y a chez, il y a toujours ha. Bien sûr, c'est obligatoire. C'est défini. C'est comme tout à l'heure. Non, parce que souvent vous dites מפתחות של, ha מפתחות של. כן. בוודאי, על שם מי ההזמנה? כמו נביא תותה לו, על שם מי? בוודאי, זה certainement, בסיור. על שם מי ההזמנה? אלוי רפון, על שם אייל כהן. שגרתי את הנום בפמיה לי. הנה המפתחות. ווסי לכלי. הנה המפתחות. אפשר להשן בחדר? לא. אי אפשר. לא קונטרר דה אפשר. זה אי אפשר סביבית לנפיניטיף. וגרתי. לא, אי אפשר להשן בחדר. בסדר. תודה רבה. בתל אביב, אייל, אכל או פסה, במסעדות טובות, אנדפיני, פגש או פסה את כל החברים שלו, לפגוש זה תוז'ור את, הוא פגש או פסה את כל החברים שלו. Il a vu des amis, הוא פגש חברים. Oui. Il a vu tous ses amis. את כל. את. Ça devient את כל החברים שלו. Voilà. Ça devient défini. נכון. בסדר. את כל החברים שלו שם, c'est-à-dire là-bas, תל אביב, ואפילו... Et même, là, il n'y a pas... Et même. Là, il n'y a pas... Si, hein. C'est rare. Va filo, alach, l'ilmod, ivrit. Itzik, toda rabba. Toda lecha, Eli. Alors, on va vous laisser faire vos exercices. Ouais. Vous pouvez couper, ici. Ouais. Ils ne sont pas compliqués, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et on revient pour la correction avec Itzik. À tout de suite. On va tout corriger, on va tout expliquer. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Vous savez quoi? On va faire une correction précise, bien décrite avec Itzik, qui va nous expliquer un peu tout ça. On y va. Pour le premier exercice, il fallait conjuguer au présent. Oui, simple. Hem af pa'am lo, avec le verbe le'achen, bacheder. Hem af pa'am lo, tu vas, Eli? Af pa'am, toujours. Ben oui. Avec lo. Hem af pa'am lo, masculin pluriel, avec le'achen, lo, me'achenim, bacheder. Hem... מאשנים, סמפל. איפה מאשנים. לא, מאשנים. מאשן, מאשנת. מאשנים. זה מאשנים, מאשנות. נכון. יאללה, שבר. בית. הם עסוקים, הם לא, avec le verbe יכול, לדבר איתך. On s'appelle de la conjugaison du verbe יכול. Voilà. Qui n'a pas d'infinitif. Voilà, הם, avec יכול, c'est הם יכולים. Donc, ça donne הם עסוקים, הם לא יכולים, après יכולים, il y a toujours l'infinitif, הם לא יכולים לדבר איתך. Itcha. Alors, quand c'est les daber im itzik, par exemple, c'est im. Anim daber im itzik. Okay. Mais par contre, si je dois décliner, c'est anim daber itcha. Nahon. Le im se décline en iti, itcha. Si vous avez du mal avec la déclinaison de iti, itcha, bah, vous revenez un petit peu en arrière. Revenez en arrière. D'accord, parce qu'im, ça ne devient pas imcha. Non, ça voilà. C'est l'hébreu biblique, ça ne se dit plus. Hachem imachem. Emmanuel. Emmanuel. Gimel. למה את לא, avec le verbe לנסות, au présent, להתקשר למלון אחר? את לנסות, למה את לא מנסה, אלי? Voilà, לנסות, ce qu'on joue comme לחכות. נכון. למה את לא מחכה, למה את לא מנסה. Voilà, donc la phrase, donc, למה את לא מנסה להתקשר למלון אחר? Vous avez vu comment on fait dans la cour des bras? On vous rappelle toujours les verbes que vous connaissez et il faut que vous plaquiez, c'est on vous dit ce qui doit se passer dans votre tête. Mais ce qui se passe dans la nôtre d'ailleurs. Quand tu conjugues les nasot, tu conjugues comme les chakot. Itzik. Au passé. Et cette fois-ci au passé. Ouais. Allez. J'ai apakid avec le verbe lomar le'eyal, sheyesh cheder panoui, hu meod samar. Alors c'est au passé. Voilà, j'ai apakid lomar au passé, ça veut dire amar. Oui. Au présent c'est omer. Très bien. Au passé, c'est Amar. Et au passé, c'est toujours A-A, n'oubliez pas. J'ai pas qu'il Amar l'Eyal, j'ai yesh cheder panoui, hu meot samar. C'est qui, hu, Eli? C'est Eyal. Eyal Golan. Eyal Golan. Je ne peux pas oublier de son prénom. Itzik, Amar,
La troisième personne du passé, c'est toujours A'a, oui, Ba'al. Exactement. Ba'al, c'est pour ça que ce groupe-là s'appelle Ba'al. Voilà. Encore une fois, vous pouvez appeler ça Babal, Dadal, Gagal. Ouais. Mais il faut garder le A'a. Ah. J'ai tout expliqué chez les faux débutants. Mais exactement. Bête. כשהיא הלכה לקבלה, הפקידה avec le verbe לעזור לה. פקידה c'est היא. היא? עזרה. היא, il y a toujours A à la fin. Tu te souviens, Eli? עזרה. עזרה. Là, donc ça donne, כשהיא הלכה לקבלה, הפקידה עזרה לה. Si c'était au masculin, עזר. עזר. איציק, הבנת הנקרא. Donc, c'est Havanat HaNikra, les Havin, c'est comprendre. Nikra, c'est ce qui est lu Havanat HaNikra, compréhension de texte, avec cette première question, Aleph. Be'ezo ir Eyal mazmin cheder. Bon, facile. Eyal mazmin cheder Betel Aviv. Bet. Ma hu mevakesh me ha pakid batelefon. Ah, je sais. Donc, hu... C'est pas la peine de dire pakid, hein? Donc on dit hu mevakesh mimeno lazmin lazmin cheder she pone layam. Bah oui, hu mevakesh mimeno lazmin cheder she pone layam. Moi j'aurais dit hu mevakesh mimeno cheder she pone layam. Oui, bien sûr, tu n'as pas besoin de dire lazmin. On peut. Ah, c'est, si vous avez mis, si vous n'avez pas mis lazmin, ça va. Vous pouvez l'enlever, c'est pas grave. Bien sûr. C'est comme en français. Gimel. Lama hu mitkasher le malon acher. Hu mitkasher le malon acher. Ki ha malon bitfusa melea. Ou on peut dire tout court. Ha malon male. On peut dire les deux. Mm-hmm. Donc, ou mitkasher le malon acher, ki ha malon bitfusa melea, ou, entre parenthèses, ha malon male. Donc, si vous avez écrit ha malon male au lieu bitfusa melea, c'est magnifique. Ça va. C'est très bien, vous pouvez écrire les deux. Dalet. Ma eyal rotse le kabel ba kabbala. Ba kabbala. Eyal rotse le kabel et... את המפתחות שלו. באוי. בקבלה, אייל רוצה או מבקש לקבל את המפתחות שלו. וואלו, הוא רוצה לקבל את המפתחות של החדר שלו. Oui, on peut dire, bien sûr. Comme dans le texte. Tout à fait. D'accord? בקבלה, אייל רוצה לקבל. Moi, j'aurais dit, בקבלה, אייל מבקש את המפתחות שלו. Oui, on peut dire beaucoup de choses. On peut dire aussi, oui, oui. מבקש. On peut dire, הוא מבקש את המפתחות שלו, הוא מבקש את המפתחות של החדר שלו. תודה רבה, יצחק. היי. למה אייל מחכה בקבלה? הוא, כבר למד את זה, הוא אייל. הוא מחכה בקבלה, כי הפקיד, כי הפקיד עסוק. עסוק עם אורח אחר. Oui, après on peut... Si vous voulez... On peut dire tout court עסוק, voilà. Ou on peut dire עסוק עם לקוח אחר. Donc, עם voilà. אורח אחר. כן. כי הפקיד עסוק עם אורח אחר. וו. על שם מי ההזמנה? ההזמנה. על שם אייל כהן. סופר סמפל. ההזמנה על שם אייל כהן. ההזמנה על שם דוד לוי. Est-ce qu'on peut ne pas promettre ce ה? On peut dire הזמנה על שם? Non, c'est l'invitation. Ah oui. Le premier, c'est « ha », c'est « ha ». C'est l'article défini. La invitation. Ah oui, tu l'as fait ici. « Al-Shemi ha hazmana ». Donc là, obligé. Non mais « ha hazmana ». Vous avez du mal avec les mots qui commencent par « ha » déjà. Vous avez du mal à mettre le « ha » devant. Je pensais que c'est déjà l'article défini. Attention. S'ils ont du mal, il faut aller en arrière. « Hazmana »,« ha hazmana ouais. ». Ça doit être acquis à ce niveau-là. « Zayn ». Et Charles, « la chaîne bachéder »?« Lo ». « I » et Charles, « la chaîne » בחדר. לא, ורגיל. אי אפשר להשן בחדר. לוג'יק. אפשר, peut être remplacé par יכולים או לא יכולים, oui. Mais c'est pas beau. יכולים להשן בחדר? Ça peut remplacer, אפשר? Ouais. Oui, on le dit. Pas très... Non, c'est très familier. Ah oui, c'est un peu plus familier. C'est très familier, mais on char, le dit. C'est plus oui. Chic. Oui. Char, et אפשר. C'est pas qu'ils ont des chics. Oui, je veux dire, mieux dit. C'est plus familier de יכולים.
חטא. מה אייל למד בתל אביב? הוא למד עברית. הוא למד עברית בתל אביב. Et si je te pose la question éthique, מה אייל למד בנתניה? בנתניה? כן. שזה פעיל, תקבל נתניה. צרפתית. הוא למד צרפתית. בנתניה לומדים צרפתית. תת. את מי אייל פגש בתל אביב? איציק, את מי? וואוי. את מי אתה רואה, את מי אתה פוגש, את מי אתה אוהב. אני לא יכול לדיר מי, איציק. לא, זה את מי, אוי ואבוי. הוא פגש שם, סבל מדוד בתל אביב, את החברים שלו. פגש את החברים שלו. מצוין. אני מודה לך על השיעור האיכותי הזה. תודה רבה לך, זה שאתה פה ואתה עוזר לי. אני מקווה שאנחנו ניפגש. ודאי. בשיעור השני. אנחנו ניפגש בשיעור השני. להמשך המסלול הזה. כן. אני נשאר פה, אני ישן פה. אתה ישן פה? כן. בסדר, מצוין. תודה רבה לכם. J'espère que ce premier cours vous aura plu et vous aura donné le top départ pour arriver jusqu'à la 50e leçon avec nous. Ne vous inquiétez pas, on ne vous lâche pas. Itzik veille au grain. Soyez-en sûr, vous ne serez pas déçus. Vous aurez tous les éléments pour parler hébreu couramment. Kadel ledaber ivrit beshetef. Toda rabba lecha, Itzik. Toda rabba lecha, Ali. Toda rabba lechem. Nashuv venipagesh ba shiur haba. Simcha. Bye bye.